Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, il faut que je termine absolument mes faire-part. Voilà, il m'en reste encore quelques-uns terminés. Donc j'avais envie de vous montrer la fin des faire-part parce que je crois que vous n'aviez pas vu la fin. Et je vais vous montrer au niveau des enveloppes ce que je vais faire. Donc je vous remontre pour celles qui n'ont pas vu les faire-part. Donc voilà, c'est ça. Donc avec ma petite invitation ici, le ticket invite, l'embossage voilà. À froid, enfin l'embossage à la Big Shot, pardon, voilà, et le découpage papillon. Et donc à l'intérieur, on met le texte ici. Comme ceci que je vais coller, voilà. Mais ici je fais donc un tamponnage que je fais en embossage à chaud, donc je vais vous montrer. Alors que je ne me trompe pas, hein. Hop, voilà, c'est bien dans ce sens là donc sur la Misty que j'avais faite moi même avec un cadre IKEA. Vous pouvez la retrouver, si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos. Donc, pour mon embossage, moi, j'utilise celle-là. C'est tout simple. J'ai tellement utilisé ces tampons-là qu'il va falloir que je les lave bien. Je crois même que je vais devoir les laver sous l'eau. Parce que... ils ont pris de l'encre, de l'encre, de l'encre. Voilà. En même temps, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet de voir comment on fait l'embossage à chaud. Alors cette technique avec le cadre ou avec la Misty, ça permet de repasser plusieurs fois si on voit qu'il n'y a pas assez d'encre. Là par contre, je vous montrerai sur la deuxième, mais j'ai oublié une partie. J'ai oublié de passer d'abord du talc. Mais ça y est, on fera sur la deuxième. Voilà. Voilà. Donc là, comme c'est blanc, je ne pense, je sais pas. Voilà, si vous pouvez voir un peu, vous voyez. Donc pour l'instant, je la mets sur le côté, ma Misty. Enfin, si je trouve un côté, oui, là, je n'ose même pas vous montrer mon atelier, parce que là, c'est vraiment un foutoir. Mais alors, ah! Donc, la poudre embossée, j'utilise celle-ci, la E-Zinc, donc Gold. Je mets la poudre embossée, donc dorée. Voilà. Avoir peur d'en mettre, c'est rien, puisqu'en toute façon on va la récupérer. Et voilà, voilà pourquoi je vous disais, j'ai oublié de mettre le talc. Donc je vais devoir faire au pinceau. Avec, en mettant du talc, ça on ne l'a pas. Donc, maintenant je vais récupérer ma poudre. Je referme toujours bien parce que moi, miss catastrophe. Donc voilà ce que ça vous donne, vous voyez. Et maintenant, on va faire chauffer avec le high gun. Bon, moi, c'est celui de Lidl. Hein. Voilà, ça me suffit très bien pour l'instant. Bien. Désolé pour le bruit. Mais voilà, maintenant, on met à chauffer.
Alors, je vais vous mettre, voilà, pour que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez, ça va très très vite. Donc, je vous avais fait en gros plan pour que vous voyez. Je vais baisser le gros plan. Voilà. Donc là, c'est fait. Bon, il reste des petites poussières dorées qui se sont incrustées, mais c'est parce que je n'ai pas mis le... Comment? Le talc. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire le deuxième. Donc là, avec le talc. Après, je vous montrerai comment je fais pour donc d'abord. Alors le talc, c'est ça. Moi, c'est une petite pochette. Bon, j'avais acheté toute faite, mais on peut le faire soi-même. Hein. Donc moi, j'avais acheté celle-là sur Formi Créative, mais j'aurais pu le faire moi-même. Hein. Donc, hop. On met bien du talc. Voilà. J'en ai un peu trop. On souffle un peu, c'est pas un problème. Je reprends ma Misty, enfin ma fausse Misty. Je regarde toujours que je suis dans le bon sens, et que je ne tamponne pas à l'envers, ce serait ballot. Je perds mes cheveux au passage. Et je vais retamponner. Mes tampons. Voilà. On refait toujours pareil. Hein. Donc on appuie bien partout. On vérifie qu'il y ait de l'encre partout. Voilà. Je vais en remettre un peu. Normalement, là, ça devrait être bon. Oui. Voilà. Donc, je mets mon cadre de côté, je reprends ma feuille, ma poudre embossée et je refais pareil. Donc là, vous voyez, avec le talc, il n'y a pas de traces de poudre ailleurs, à part un petit peu peut-être, mais bon. Ça, un petit coup de souffle. Voilà. Donc on va remettre le reste de la poudre dans son petit pot. Donc avec un pot de poudre, on peut aller très très loin hein, déjà. Vous voyez, puisqu'on récupère la poudre à chaque fois, donc je vais refaire du bruit, désolé. Attends, je vais vous remettre le gros plan pour que vous voyez.
voilà, ça va très très vite. J'attends que ça sèche un petit peu. Enfin, c'est sec tout de suite. Hein. Et j'enlève le surplus de talc. Voilà. Je suis bien à l'endroit. Voilà. Donc maintenant, je vous montre comment j'ai collé. Peut-être que je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, je ne sais plus. Je vais garder ma feuille pour pas salir. Donc sur l'envers du texte, voilà, je replie. Je prends mon double face. En bas. Donc là, je vous avais expliqué pourquoi, mais pour celles qui n'ont pas vu la vidéo précédemment, d'ailleurs, je vous remettrai le lien hein, sur ici en haut et également sur dans la barre d'infos ou à la fin de la vidéo, parce que je rajoute un petit mot, voilà, que je vais découper après. Je glisse un petit mot, voilà. Parce que nous, ici à la mairie, enfin je crois que beaucoup de mairies le font, on a le droit de rien jeter à la sortie ou à l'intérieur du mariage. Pas de fleurs, pétales de fleurs, pas de riz, pas de confettis, pas de pétards. Donc ça me permet de faire une petite pochette discrète pour ajouter ce petit mot pour mes invités, pour qu'ils soient au courant qu'on n'a pas le droit de jeter quoi que ce soit pendant le mariage. Bon, de toute façon, c'est vrai que je comprends, hein, c'est un coût aussi de faire venir, quand il y a plusieurs mariages dans la journée, c'est un coût aussi pour la mairie de faire nettoyer entre chaque mariage. Donc, bon, et puis c'est à mon âge, hein, les pétards, le riz. Alors voilà, donc j'ai enlevé les protections. Là, je vais maintenant prendre bien le milieu. Voilà. Voilà, donc c'est collé. Et je rajoute à l'intérieur les petits cœurs qui m'ont été faits par une amie de Facebook qui a la Scan Cut. D'ailleurs, je suis allée ce matin chez Cultura pour aller chercher mes enveloppes. Je vais vous les montrer après. Et j'ai vu que Cultura avait la Scan Cut en magasin. Oh là 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 là. Je veux la Scan Cut. Hop. Voilà, donc les petits cœurs avec nos prénoms. Donc ça, je le colle ici sur le coin. Voilà. Et donc, comme ça, on a notre texte ici. Voilà. Et là derrière, bon, je cache, mais là derrière, il y a notre adresse et notre numéro de téléphone. Mais par contre, je vais rajouter nos noms sur le dos, je pense. Donc voilà. Pour les cartes, donc il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 à terminer, donc ça va aller vite. Et donc il me reste maintenant à faire les enveloppes. Donc les enveloppes, les voici. Alors le paquet, là je l'ai déjà ouvert, oui. Donc, j'avais un deuxième paquet pourtant. Je sais pas où je l'ai. Ah oui, il est là. Voilà. Donc c'est les enveloppes qui vont avec les feuilles. Hein, les... Vous voyez, c'est les mêmes. Donc c'est toujours le pollen. Donc là, c'est les enveloppes qui font 114 sur 162. Donc c'est toujours la marque. C'est toujours du pollen Clairefontaine. Donc dans la même couleur que mes papiers qui vont à l'intérieur. Voilà. À la base, je voulais mettre les. Alors je vais vous montrer.
Voilà, les enveloppes qui vont avec les cartes. Voilà. Mais bon, j'ai trouvé vraiment fade. Vous voyez, j'avais même fait un tamponnage, mais j'ai trouvé fade. Et donc, je trouve que ce sera beaucoup mieux de mettre dans l'enveloppe qui va avec le papier intérieur. Ce sera beaucoup plus joli. Voilà. Donc, là, j'en ai ouvert un paquet. J'ai dû en prendre deux paquets parce qu'il n'y en a que 20 par paquet. Mais bon. Donc, vous voyez, ce sont des enveloppes qui s'ouvrent comme ceci. Donc, elles sont très jolies. Et j'ai retrouvé dans mes grottes archéologiques de mon atelier. Donc, j'ai mis où l'enveloppe que je viens de vous montrer. Voilà. Vous voyez, j'avais fait un tamponnage ici, une bague avec une alliance. Et donc après je voulais le faire mais en embossage. Et j'ai retrouvé donc dans mes fouilles ça, une plaque de stickers d'alliance. Voilà. Donc je vais plutôt mettre ça sur les enveloppes. Ça me fait gagner du temps. Voilà. Je vais plutôt mettre ça avec le tamponnage par contre quand même l'invitation au-dessus. Voilà. Donc, je vais bien voir avec la première enveloppe ce que ça donne. Si vraiment bon je trouve pas ça joli, ben je reprendrai je referai par contre le comment aidez-moi avec l'embossage. Mais donc voilà, c'est avec la plaque de tampon de Toga hein, que j'avais acheté pour le mariage exprès. Et je vais mettre ça ici. Alors, je vais me prendre ma plaque. Voilà, mes plaques. Bon, même que je les nettoie aussi, mes plaques. Je vais prendre celle-là, la moyenne. De toute façon, la grande est trop grande. Et les petites sont trop petites. Voilà. Les plaques en plexi pour faire du tamponnage. Donc, ça, c'est pareil. Si vous, vous en trouvez pas mal. Voilà, vous en trouvez sur les magasins, voilà, dans les boutiques de scrap. Hein. Je vais quand même donner un petit coup dessus. Voilà. Et là, donc, je vais utiliser la Memento noire. La Tuxedo Black. Voilà. Donc, on va mettre ça dans le coin. Voilà. Alors, par contre, le problème maintenant, c'est vrai que de faire comme ça à la main, c'est que bah, il faut réussir du premier coup hein. Parce que là on peut plus se remettre dessus. Bon, si je vois que je galère, je reprendrai la Misty quand même. J'ai mis l'encre partout. Je suis dans le bon sens. Allez. Voilà, mais c'est très bien. Vous voyez? Fermer mon encre en attendant. Et donc, je disais, j'aimerais mettre donc les alliances stickers. Bah écoutez, ça me fait gagner du temps et c'est aussi beau. Voilà. Non, c'est très bien. J'aime bien. Bah voilà,
c'est adopté, hein. On va faire comme ça. On va en refaire une pour vous remontrer. Mais bon, là, il n'y a rien de compliqué hein, pour les enveloppes. Mais bon, c'était juste pour vous montrer ce que je faisais. C'est d'en réussir une trentaine pareil. Voilà, super. Voilà, Memento est fine hein, comme encre, donc elle va très bien. Voilà, c'est bon. Eh ben super, je suis contente pour mes enveloppes. Ça me fait gagner du temps en fin de compte. Et mes enveloppes bleues comme ça, bah, c'est super joli. Bon, derrière, il n'y a rien besoin. Hein. Derrière, je vais juste mettre notre adresse, hein, normal, l'adresse des personnes. Le petit timbre. Alors le timbre, je vais faire les timbres. Il faut que je vois si je fais les timbres par internet. Voilà. Ou si je vais acheter des jolis timbres à la poste. Bon, parce que par internet, on peut choisir ces timbres. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je vois, si dans l'enveloppe, rien ne gêne. Donc, on va fermer le petit nœud. Voilà, donc voilà, ma petite, mon petit faire-part terminé. Voilà, cache l'adresse et le téléphone quand même. Donc il y aura le nom et l'adresse des personnes. Super, ça rentre nickel. Voilà, j'ai pris la bonne taille. Non, mais c'est très bien. Voilà. Ben voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je termine mes faire-part. Donc là maintenant je vais les terminer, les mettre sous enveloppe, enfin faire finir les enveloppes, mettre les adresses, les cacheter. Il y en a qu'on va. Ah mais oui, je ne vous ai pas montré. C'est ça que j'ai pour celles qui n'avaient pas vu. Donc le petit mot, je vous montre où je le mets. Donc mettre les adresses, donc il y en a qui seront remis en, qui vont être donnés en main propre directement pour les collègues de travail de mon mari par exemple. Voilà, donc, je vais enlever le petit nœud. Donc ça, donc c'est le petit mot hein, que j'ai mis, donc j'ai marqué la mairie du Nord d'Ascq n'autorise pas les jetés de pétales de fleurs, de riz, de confettis, etc. dans la salle des mariages, dans les escaliers menant à la salle et sur le parvis de la mairie. Les pétards sont également interdits. Merci à tous. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fermé en haut. Voyez, comme ça, je peux le glisser discrètement. Hop. Je le plie derrière. Et comme ça, bon, ils verront qu'il y a un petit mot. Et voilà. J'ai plus qu'à refermer, à remettre dans l'enveloppe et ça partira. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, malgré que vous aviez déjà eu une vidéo sur les faire-part, mais vous n'aviez pas vu la finalisation de mes enveloppes, tout au moins. Bon, malgré qu'il n'y a pas grand-chose, hein, vous voyez, je suis contente d'avoir retrouvé ça dans mes archives, parce que ça va me faire gagner du temps. Et je suis contente également en fin de compte d'avoir été chercher plutôt des enveloppes bleues ce matin que les blanches. Parce que oui, je vais remettre la blanche à côté. C'est beaucoup plus joli en bleu en fin de compte. Hein. Là, ça fait vraiment l'enveloppe ordinaire. Là, non, je préfère vraiment en bleu. En plus joli.
Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bisous, bisous.